Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut. Coucou. Tout d'abord, un grand merci à tous d'être venus ce soir. Comme vous l'avez remarqué, on n'est pas parti en vacances. Voilà, on espère que... Ah, merci. Bon, ben, on espère que vous êtes tous de bonne humeur, que vous êtes frais et dispo, et on espère que ce qu'on a prévu va vous plaire. Et puis, vu qu'on n'est pas très drôle, on va vous laisser être meilleur que nous. Donc voilà. Bonne soirée. Salut mec, ça va? Y'a qui là? P2 qui arrive. Ok. Qu'est-ce que tu fous? T'es sur Facebook? Pourquoi t'as une photo de Georges sur ses chiottes? C'est juste une photo lycée qui est une photo. De son restaurant du quotidien, tu vois. Beaucoup de choses. Mec, je pensais la dernière fois où je me suis fait engueuler en garde, là. Tu sais, parce que le patient avec ses œdèmes, j'ai commencé à lui faire une urgence pour un bac de 16. 16-64? T'es sûr que tu t'es pas planté de diurétique? Mais moi, je comprends pas, là, t'as pensé que ça fasse pisser? Non, t'as confondu diurétique de Lance et diurétique de Lance. Tu comprends? Tu vois, le rattrapage, tout ça. Tu vas comprendre quand tu fais. Tu vas à la conférence vendredi? Ok. C'est organisé sur, en partenariat avec la COP21. Ah, la conférence sur le recyclage des P1. Ouais, mais tu sais, je suis pas très écolo. J'ai juste retenu conserve carton, poubelle jaune, 200-360e, poubelle droite. Dans un monde parallèle, c'est les droits qui servent à médecine. Et puis dans un monde parallèle, les EDEC seraient pas les petites pubs du recteur. Dans un monde parallèle, il y a plus de P1 au PU que de P2. Dans un monde parallèle, il y a un écho du carabin tous les mois. En stage, c'est les étudiantes qui rendent le docteur Leduc mal à l'aise. Waouh! Mais vous faites du sport, vous avez une sacrée allure. Laissez-moi deviner, la nage, la course, ou alors l'aviron, du tennis? Non, vous appelez le duc, vous devez faire du bowling. Dans un monde parallèle, les ophtalmos ne sont pas tous asiatiques. Ça me gratte. Ouais. Non, ça me gratte en vrai. Je crois qu'il y a des gars dans un monde parallèle, ils sont Putain! Je suis 160 à l'ECN, bordel! Je vais finir radiologue à Paris, ça me saoule! Dans un monde parallèle, le labo de simulation n'est pas ouvert uniquement pendant les portes ouvertes. Dans un monde parallèle, les sages-femmes par vocation. Et on ne passe pas les lacs du Connemara à la fin de chaque soirée. Ouais, les étudiants connaissent les paroles, au lieu de faire. D'ailleurs, en parlant de soirée dans un monde parallèle, elles ne sont pas annulées. On peut faire une chasse aux œufs de Pâques dans les jardins de la FLM sans être traité comme des délinquants par le GSU. Le GSU ne serait pas chiant dans un monde parallèle. Impossible. Et puis dans un monde parallèle, je suis sûr que les Réunionnais, ils iront en garde. On pourrait écouter un bisou chanter la Mado sans saigner des oreilles. Et puis tu pourrais rentrer dans la bulle et faire... Quelle odeur de rose! Les P1 auraient de quoi s'acheter des chaussures. Et puis mec, j'imagine, tu vois, dans un super monde parallèle, bah t'aurais l'UNO, ce serait pas casse-couille.
quand je me dis, après cet épisode, je me mets à bosser, et ben je le fais vraiment. Dans un monde parallèle, je suis sûr que c'était pas mieux avant.
Mais les gars, il y a un truc improbable aux urgences. Devinez qui est là ? Pierini ? Non, j'ai dit improbable, pas impossible. C'est rien, vas-y, dis-nous. Georgini ? Ils l'ont diagnostiqué ! Il a failli se faire niquer ! Ouais, enfin, il comprend rien du tout, il dit que de la merde, quoi. Mais ils sont au courant, les urgentistes, qu'il est comme ça tous les jours ? Non, mais là, il dit vraiment de la merde. Il parle de nous rendre nos cotises. Ça vient un truc que je pensais ne jamais entendre au GHCCL. Là, c'est bien ça. Oh mec, un médecin, le premier jour de stage, il va pas te dire « Je te fais confiance. » Et je le pense vraiment. Pendant ces 6 semaines, je vais t'apprendre la médecine. Et je le pense vraiment. Nous nous sommes engagés avec la réforme de l'externat à vous faire sortir à 17h. Et nous tiendrons parole. Il y a un chirurgien, hein, tu m'entendras jamais dire. Bon allez, on va aller voir ce patient, lui faire un petit examen clinique. Viens, je vais te montrer comment ça se passe. Non, t'entendras jamais Muriel Soul aux urgences dire...